Je joue Romain, qui va se séparer peu à peu de sa mère pour essayer d'accomplir les rêves immenses qu'elle a pour lui. Non, maman, ça va, je vais me débrouiller. C'est la dernière fois. C'est un personnage qui est extrêmement touchant parce qu'on sent qu'il a un amour et une admiration infinie pour cette mère capable de tout. Romain ! Ouais, il y a un colis pour toi ! Mon fils ! On va voir un personnage qui est prêt à tout pour que les rêves qu'elle a eus puissent s'accomplir. C'est ainsi que ce jour-là, je me fis la promesse de redresser le monde et de le déposer à ses pieds. C'était super excitant à jouer parce que c'est un parcours hallucinant. C'est quelqu'un qui a vécu des choses hors du commun. Il s'agit d'un jeune Polonais persécuté qui veut venir en France parce que pour sa mère et pour lui, c'est le plus grand pays du monde. Et il se bat littéralement pour la France. Il va finir par rester en France et ça va devenir un des plus grands écrivains qu'on ait jamais connu en France. C'est une histoire hors du commun, une histoire extraordinaire.